parler de la femme et de l'homme qui sont venus ici à Toulouse. Bon, c'est pas la première fois qu'on est entouré de grands champions, mais là, vous avez fait fort. Vous avez eu le sourire en permanence dès que vous sortez des cours. Bon, sur les cours, je suis pas là pour rigoler. Sur les cours, elle est pas venue effectivement pour manger du cassoulet. Ça, c'est elle en a mangé. Ouais. Bon, quant à toi, écoute, c'est un plaisir également parce que bien entendu, tu as le sourire, mais en plus, vous êtes deux grands pros. Vous avez donné envie aux autres de se surpasser. D'ailleurs, on a vu que vos adversaires ne pouvaient pas reprendre le lendemain. Ok, non, merci beaucoup. Je pense que le Padel a beaucoup de chance et que Padel Magazine va effectivement vous suivre parce que c'est avec des joueuses et des joueurs comme vous qu'on va pouvoir lancer le Padel. Alors vous savez que dès l'année prochaine, eh bien, il y aura une autre édition ici. Il y aura 20 clubs pour la Coupe d'Europe. Est-ce qu'on fera l'Open de France à Toulouse? C'est pas certain. Il y a beaucoup de candidatures de villes qui le veulent. Et puis, comme tu m'en donnes l'occasion, je lance un dernier appel au grand président Bernard Guidicelli de la Fédération française de tennis. Président, même si le padel et le tennis ne se ressemblent pas, même si on n'a rien à voir les uns avec les autres, on se doit de travailler la main dans la main. Je vous fais ce deuxième appel et je suis prêt à vous rencontrer. Vas-y Bernard. Je lui passerai le message, Claude. Je le vois très bientôt.